Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Nouvel épisode de Un jour à Toy en attendant Noël. On n'en est plus très loin. Hein. Et ce coup-ci, je vais vous présenter quelque chose en rapport avec une de mes anciennes vidéos. Alors, si j'y pense, je mettrai. Je vais mettre une note dans la. Voilà. Note dans la vidéo. Pensez à mettre le lien dans la description. Vous avez présenté, ça fait un petit moment maintenant, un Bone Shaker Mega Construx. Donc les fameuses voitures Hot Wheels, sauf que celle-ci était en Lego-like. Et avec le Bone Shaker, il y avait donc une Hot Wheels, hein, une petite voiture Bone Shaker, mais noire. Alors que l'engin est rouge. Et bon, après, bon, la noire, je crois que c'est une exclue spécialement pour cette boîte. Mais bon, je trouvais quelque part un peu dommage que pourquoi est-ce que j'avais pas la reproduction fidèle du véhicule que j'étais en train de construire? Et bien, c'est chose faite avec ça. Petit pack de voitures Hot Wheels. On va ouvrir, hein. J'ai acheté pour ça. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai. Alors, je sais plus où je l'ai trouvé ce pack. Donc, on a un premier véhicule, voilà, Hot Rod, bien à l'ancienne. Hein. Donc, bon, il reste classe. Hein. Alors, je sais pas son nom, j'ai pas envie de chercher maintenant, hein, c'est pas le but. Bon, il reste quand même plutôt classe. Hein. Mais celui qui m'intéresse surtout, c'est celui-ci. Donc, le Bone Shaker. Qui est, ben alors, celui qui sert vraiment de modèle au Mega Construx. Voilà, le grand et le petit. Et on peut voir que voilà. Alors, toit fermé pour les deux. On a tout le Bone Shaker. Et surtout, voilà, la couleur qui correspond. Et également, tout ce qui est sur les portières. Donc, le petit numéro, le gros sticker sur la portière. Donc voilà, dans le display de celui-ci, ce sera, je pense, plus pertinent de mettre celui-ci à côté que le noir. Histoire d'avoir la cohérence qui va bien. Parce que franchement, c'était un peu dommage d'avoir le noir et pas le rouge. Je trouve que ça fera... ça fera un display beaucoup plus cohérent en ayant, on va dire, l'original et sa copie. Ah, comme quoi, je vais les chercher loin, mes toys. Hein. Il y a toujours quelque part une raison au choix d'un toy. Et voilà la raison pour laquelle j'ai acheté celui-là. Bon, je vais reposer ça, parce que mine de rien, ça a beau être du Lego, ça pèse quand même. Et donc, moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Un jour à Toy. Allez, ciao !